Bonjour, je m'appelle Éric Jolin, je suis commercial chez Victolic. Bienvenue! Oui, donc mon poste est ingénieur commercial dans le domaine de l'activité HVSI. Donc ça consiste à suivre des clients, à orienter les clients chez des distributeurs et aussi à proposer des solutions techniques. Bah, ça fait maintenant 20 ans que je suis chez Victolic. Alors la première année, elle a été enrichissante, passionnante. Il a fallu apprendre à travailler avec les nouveaux collègues belges. Donc aussi la barrière de la langue, donc l'anglais. Donc il a fallu un petit peu se remettre à l'anglais, mais bon. Il a fallu apprendre beaucoup, surtout sur les produits Victolic. J'ai eu beaucoup d'aide et ça s'est fait naturellement et voilà. Bah, il était motivé, mais comme maintenant, hein. Il était impatient d'avancer, de montrer un petit peu aux gens ce qu'on pouvait apporter. L'évolution, on a pu agrandir l'équipe France, et ça a été aussi une satisfaction d'avoir d'autres collègues autour de moi et travailler tous au sein d'un team. Ça, c'est vraiment la force de Victolic. Victolic a sa petite particularité, c'est que c'est une solution unique. On n'a pas besoin de se souder. Nous, sur notre marché en France et partout dans l'Europe, les gens vont souder les tubes. Cette solution-là est vraiment intéressante. Il y a un gain énorme sur le temps de pose. Voilà des solutions techniques qui permettent d'améliorer le coût de l'installation. Je pense qu'il faut rester humble avec les clients, avec ses collègues. Il faut la niaque, comme je dis. Il faut rien lâcher. Il faut vraiment être à l'écoute. Parce que un rien peut faire changer la situation. Les victoires, c'est des beaux projets comme les chantiers de l'Atlantique, réussir à proposer Victolic chez ce client-là. Et aussi les fameuses tours de la Défense, où j'en ai fait quelques-unes. C'est satisfaisant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire chez nos amis français qui restent traditionnels. Ma carrière chez Victolic a été, ça s'est passé en un coup d'éclair, trop rapide, parce que effectivement, dans le feu de l'action, toujours du travail exceptionnel. Donc moi, ce que je souhaite, c'est accompagner mes collègues toujours dans les mêmes stratégies, nos mêmes idées, et éventuellement, peut-être aussi pouvoir former les nouvelles personnes.